Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma chaîne. Si c'est la première fois de tomber à ma chaîne, je m'appelle Rose Beauty. Je suis la personne qui fait des astuces naturelles. Alors, si vous cherchez la chaîne qui fait des astuces naturelles, vous êtes dans un bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer chaque fois que je poste une vidéo. Sans oublier d'aller me suivre sur Instagram Rose Beauty 712. Ok mes amours, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler concernant les personnes qui ont décapé leur peau avec les produits cosmétiques. Ok mes chéris, j'ai reçu beaucoup de photos sur Instagram, beaucoup de gens qui ont eu ces problèmes là. Mes amours, je vous dis, ne vous en faites pas, ce n'est pas la fin du monde. Oui, partout vous allez passer, quand on vous voit avec des taches noires, des produits décapants que vous avez appliqués, les hydroquinones là dans le passé. Toutes les vidéos que je vois sur ça, on dit « Oh, c'est tout, c'est fini. » Donc, il n'y a pas moyen de retrouver la peau qu'ils avaient dans le passé. Ok, mes chéris? Donc, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas, mes amours. C'est juste, c'est vrai que rentrer encore là où vous étiez dans le passé, avoir la peau comme c'était dans le passé, avant d'appliquer l'hydroquinone, ça sera un peu difficile, mais je vais vous montrer encore quelque chose qui va vous aider et que je conseille toujours à mes amours qui me suivent depuis Instagram. Je vois les photos et j'essaie de les conforter parce que c'est pas vraiment bien que quelqu'un pense qu'il est perdu, il a des problèmes très sérieux, qu'il ne va pas avoir des solutions et puis tu vois la photo, tu envoies la photo, tu dis vraiment c'est catastrophe, vraiment c'est un problème très sérieux. Non, j'essaie toujours de dire il n'y a pas de problème, il faut essayer, il faut essayer. Et la raison pour laquelle je vais encore vous parler de cette pommade qu'on appelle vaseline, que vous tous vous connaissez, c'est ça la vaseline que je vous parle. Quelqu'un m'a écrit sur commentaire YouTube qu'il y a des vaselines à Kinshasa, il y a des vaselines ici, c'est où, en Afrique. Mais moi je ne pense pas que les vaselines là qu'on parle, c'est ça, c'est cette vaseline de pétroleum. Je ne pense pas, je ne pense pas. Parce que la vaseline ici, c'est pour les États-Unis. C'est les États-Unis qui ont fait cette vaseline. Et si c'est vraiment beaucoup en Afrique, point d'interrogation. Parce qu'il y a beaucoup de produits d'ici qu'on ne trouve pas en Afrique. Et quand cette vaseline ici est maintenant en Afrique, à la Inde, je doute. Je peux voir déjà que les Chinois ont déjà piraté la vaseline. La vaseline. Ok, mes chéris, ça c'est la vaseline originale. Ça fait au moins 9 mois, j'avais envoyé ces vaselines, au moins 30 vaselines gros comme ça à Kinshasa. Pour les gens qui ont décapé leur peau, on faisait des publicités, on montrait, oh, tu peux essayer. Après avoir acheté, on vendait ça à 25$. Plus tard, ils sont venus faire encore les commandes, ils ont dit vraiment ça a bien marché. Les taches noires là, les taches rouges là, ça essayait de calmer ça. Et essayer d'unifier la peau du visage. Ok, mes chéris, c'est à cause de ça que je viens vous parler encore, mes amours. S'il y a de mes amours qui ont les problèmes de décaper la peau, la peau devient rouge et la peau devient noire. Et chaque fois, quand vous voyez les autres personnes qui ont des visages décapants comme ça, vous vous rendez compte que vous avez aussi eu des problèmes avec la peau et vous êtes vraiment déçus. Achetez la vaseline, mes amours. Achetez la vaseline. Il faut acheter la vaseline en ville, mes chéris. Là où il y a des boutiques qui vendent des produits qui viennent de l'étranger. Il ne faut pas acheter les boutiques la vaseline dans les petites boutiques là où ça vient si c'est de Chine et puis vous appliquez ça au marché. Parce que cette vaseline ici, pétroleum, on applique ça partout aux États-Unis. Partout aux États-Unis, ça aide beaucoup avec les beaucoup de problèmes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je viens vous parler de ça. Pour que vous achetiez ça, achetez ça et essayez. Et ce que vous allez faire le soir avant d'aller au lit, quand vous lavez le visage, il ne faut pas appliquer la lotion que vous appliquez tous les jours. Il faut juste prendre une petite noisette de la pommade de vaseline. Et essayez d'appliquer ça sur le visage doucement et allez au lit. Le matin, regardez-vous dans les miroirs pour voir comment la vaseline marche. Ça marche très bien. J'avais envoyé au moins 635 vaselines à Kinshasa et ils ont acheté ça. Et il y a déjà des commandes, mais pour acheter des produits ici et envoyer au Congo, on paye beaucoup. Donc, le prix d'expédition est trop cher. Ça va quitter ici, ça va faire transit à Bruxelles. De Bruxelles à Irlande, de Irlande à Addis Abeba. Addis Abeba, maintenant c'est Kinshasa.
Mais chérie, partout là, oui, ça fait des transits et ça fait payer beaucoup d'argent. Maintenant, je n'avais pas eu de profit l'autre fois quand j'avais acheté, j'avais envoyé des produits parce que cette pommade, j'ai acheté, j'ai vendu ça à 25 dollars. Et plus tard, je me suis dit pourquoi pas vendre ça à 30 dollars parce que j'avais beaucoup payé, l'argent que j'avais payé, l'expédition avec, vraiment, ça ne m'avait pas laissé faire des profits. Ok, mes chéris, mais j'essaie encore de faire les colis pour aller au Congo. Je vais acheter des produits comme ma lotion là que j'applique et mes gels douche et la vaseline. Donc, je vais acheter beaucoup de produits que vous voulez avoir pour les boutons, pour enlever les boutons, pour enlever les graisses, les taches. Je vais acheter et je vais voir comment je vais faire un colis. Mais je ne veux pas vous promettre que je vais les faire parce que je cherche encore de l'argent pour envoyer. Mais ça va coûter cher. Ok, mes chéris? Mais s'il y a quelqu'un qui a besoin, il peut m'écrire sur Instagram que je voulais avoir tel produit. Je suis à Kinshasa. Ce sera pour Kinshasa et Congo-Brazzaville. Ok, mes chéris? Donc, j'espère que vous allez beaucoup aimer la vidéo. N'oubliez pas de la partager et laissez vos commentaires. Je vous aime beaucoup. Bye bye.